Thank you.
témoigner pour l'âme. Mais na dika moi aux ambassades na nzela na ye. Ambendami na kombo ya servante ya Nzambe. Maman prophétesse Elodie Malala. Amen. Est-ce que ton coquille kotombola oya lekili kolo? Est-ce que ton coquille kotombola oya lekota biso na foule? Est-ce que ton coquille kotombola milolo mutu moko azobeta makoko oya biso? Alléluia. 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 Ambassade na bomo oui. Je vais mélanger de temps en temps, tu peux m'aider. De temps en temps, je veux parler du gala français, je veux mélanger comme ça. Ça va aller bien. Amen. Amen. Notre Seigneur est bon. Il a permis que je puisse me mettre devant vous aujourd'hui. Après là, le pour parler de sa part. Qui suis-je moi? Pour que je puisse parler de la part du Seigneur. Je suis quelqu'un qui est ramassé. Dans les bouts de péché. Il m'a ramassé. Dans l'échec. Dans la pauvreté. Il m'a établi. C'est pour cela aujourd'hui je suis devant vous. Pour parler de sa part. C'est pour cela que je voulais que nous puissions l'acclamer. Nous voulons que nous puissions le dire. Merci Seigneur. Parce que tu vas réaliser des grandes choses dans ma vie. Je voulais qu'on puisse nous Seigneur, mais voici. Seigneur, je ne veux pas retourner chez moi comme je suis entré. Je veux que quelqu'un puisse changer dans ma vie. Je veux que tu puisses restaurer ma vie. Je veux que les chaînes tombent. Je veux que les laisser tous dans ma vie. Parce qu'il y a Dieu. Il n'est pas un temps pour se répandre. Il y a Dieu, il est vivant. Amen. Et le Dieu d'Israël. Le Dieu de la Bible, il peut aujourd'hui changer ton histoire. Aujourd'hui, il peut changer ta destinée. Parce qu'il est vivant. Moi, je l'ai palpé. Moi, je l'ai raconté. Mais pourquoi je témoigne ce que lui, il a fait dans ma vie. Amen. Lui aussi, ton Dieu. Aujourd'hui, il va encore devenir ton Dieu. Il va devenir le Dieu de tes enfants. C'est pour ça qu'on l'acclame très fort. On pousse les cris de joie. Le Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Il est sous sa main. Il est le maître des tailles de ses constantes. Il est le plus de sa longueur, sa largeur. Parce que quand on regarde, on ne peut pas le mesurer. On ne peut pas le comparer avec quelqu'un. Parce que lui, il est venu dans le ciel. Il est venu pour nous racheter. Il est venu pour nous racheter. Il est venu pour nous racheter. Il est venu pour nous restaurer. Oui, le Seigneur m'intéresse. Jésus-Christ, yes, le Dieu Tout-Puissant, c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Il a dit à Israël, il a dit à Moïse, je vais vous délivrer. Et le jour qu'il sortait en Égypte, il partait vers la terre promise. Quand il partait, ils ont commencé à tendre les voies des chars et des chevaux. Ils ont commencé à avoir peur. Ce que tu es en train de vivre, ce n'est pas la réalité. Seulement le bruit des cheveux. Alléluia. Parce que les Égyptiens n'étaient même pas
parle là. Il n'y a pas de sang. Ça te descend. Tu es tout le sang. Nous sommes en parole là. Parce que le Seigneur a notre projet. Parce que les gens sont prêts. Parce que les gens sont prêts. Parce que les gens sont prêts. Mais hé, nous ne sommes pas que les sangs. Il est pour nous être chez moi. Il est chez moi. Nous savons. Nous savons. Nous savons. Nous savons. Nous savons. Aujourd'hui, je voulais partager quelque chose qui est très important. Dans l'église, comme du Christ, les chrétiens, ils ont l'habitude d'attendre le Seigneur de bonnes paroles. Mais c'est la parole de Dieu qui restaure l'âme. Mais c'est la parole de Dieu qui délivre. C'est la parole de Dieu qui change de vie. C'est la parole de Dieu qui change de vie. Je vous aime. Amen. Alléluia. On va partager la parole. Notre thème de ce matin. Je voulais parler des conséquences de l'œuvre de la chair. Parce qu'on est chrétien. On est enfant de Dieu. Nous ne pouvons plus vivre dans la chair. Parce que la chair fait des désirs au contraire de la nature. L'esprit a son désir. Amen. On va commencer l'article, verset 1 à 16.
Daniel chapitre 1er, verset 16, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Il fait profession de connaître Dieu. Il veut profession de connaître Dieu. Mais il les renie par leurs œuvres. Mais il renie Dieu par leurs œuvres. Étant abominable. Ils sont abominables. Rebelles. Rebelles. Et incapables de qu'une bonne œuvre. Incapables de qu'une bonne œuvre. Amen. Amen. Ils font semblant. Dans un salle à l'école là. On peut. Il faut sembler de connaître Dieu. Mais leur comportement, c'est le contraire. Alléluia. Alléluia. Il faut sembler de connaître Dieu. Mais leur cœur est loin de notre Dieu. Facilité par la parole de qu'ils sont des païens. Et ça, les façon d'être, la façon de vivre, ça prouve qu'ils sont en dehors de la parole de Dieu. Amen. Amen. Demande à ton frère, ta sœur, tout le monde aussi, tout le monde est malade, la chair, tout le monde est malade, tout le monde est bien. Alléluia. Amen. Tu as demandé. Alléluia. Parce que la chair, vous savez, la chair aime le confort. La chair aime des bonnes choses. La musique du monde. Quand on était dans le monde, quand les alcools jouaient, on avait la joie de danser. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as encore la joie de danser les alcools? Mais les alcools, on va sous le sang. Et le corps de Christ, le corps de Dieu. Alléluia. Demande à ton frère, ta sœur, s'il danse encore. Tout le monde commence ton bal, il saute à bina tata. Alléluia. Amen. Amen. Donc, parce que quand tu marches selon la chair, tu vas pas plaire à Dieu. Tu vas satisfaire tes désirs. Tes désirs de la chair. Et tu vas commencer à servir le diable dans ton corps. Parce que ton corps, Dieu l'a créé, c'est une enveloppe que Dieu nous a donnée afin qu'il puisse communier avec nous. Pour que nous puissions travailler, pour que je puisse toucher le micro, Dieu m'a donné la chair. Amen. 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 Pour cela, vous allez apporter à apporter pas nous dire. Il nous a dit de abandonner les désirs charnels. Il y a moi un petit peu petit à ma pensée à Dieu. Galates 5, verset 19 à 21. Galates. Je pense qu'on va, on va même pas le lire parce qu'on a écrit. Ouais. Vous pouvez le relire à la maison ou comprendre où là où vous êtes. Vous pouvez lire la parole de Dieu. Amen. Amen. Moi, je vais seulement parler de Galates 5. Donc, apôtre Paul nous dit. Il faut que tu puisses enlever cet esprit de tuteur. Tu dis seulement moi, on m'aime pas. Et c'est le monalitanisé dans la tête à mon livre, on n'a pas encore le mandat par la tête. Mais au contraire, toi tu aimes pas les gens. Mais toi tu vois pas que toi tu aimes pas les gens. Yo mon la tête, yo mon la tête. Yo mon la tête, yo mon la tête. Amen. Amen. Donnera la Bible le dit la disa pour une pas à côté il se pour. Amen. Amen. Des amertume. Yami parle pas si à Kati. Amertume. Amertume pas si à Kati à mon thème. Mon thème. Mon thème à ma bé. Merci mon thème. Tout le bagali pour nous. Mon thème à Amen. Amen. Mon thème à ma bé. On a Amen. Amen. Critique. Il y a mis ça pour nous. Critique pour nous. Il y a beaucoup de gens, ils ont tellement d'émotions et contrôlent. Ils contrôlent même pas leur émotion. Et belé, il y a pas de problème de la coupe ma qualité. Il contrôle même pas. Il est tellement émotionné, il peut dire de n'importe quoi. Il y a
Enfin, tout ce que maman a dit là, est-ce que... Maman,
Tu t'es retrouvé. Ce que ça logo là. On a la logo. Il peut le logo là. Amen. 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 Donc. Bye. Le désir charnel. Ma pensée en zoto. Nous tire vers le bas. Et même la capisson à sang. Il nous tire vers la malédiction. Et même la capisson à la condamnation. Et même la capisson à la condamnation. N'a pas quoi ça m'a. Tantôt je disais tantôt. Dieu n'est esprit. Quand on me suit sur le bagage, il est un esprit qui m'invoque, un esprit et un esprit. Mais toi, tu invoques un Dieu dans la chair. Lui est belle, la canzane de l'enjeu. Il y a des chrétiens aujourd'hui même. Elle t'a appris sur le lieu. Elle t'a appris sur le lieu. Il va passer ici, il commence à parler de la force dans la chair. Parce que c'est quelque chose qui est dans la bonne mine. Et c'est le moment de la chair. Les gens qui viennent avec la formation, les gens qui viennent avec la classe, les gens qui viennent avec la formation, 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 les gens qui viennent avec la formation,
Alléluia. Alléluia. Les agissantes de Dieu. Agissantes. Amen. Amen. Tu dois accepter la commission de Dieu. Et c'est que lui dit que la commission de Dieu, quoi? Et ça, il ne pas. Vous savez, c'est pas facile. Et ça, la compétition. Il y a pour tout ça. Il y a pour dire, il y a pour dire, Il y a pour dire, imaginez-vous la viande. C'est ça la parole. Mais ils ont marché. Ils ont accepté la commission. Ils ont dit, nous cherchons notre guérison. Nous voulons quitter cette voie. Même si tu n'as pas la viande à manger, toi tu ne manges que les choses. Tu vas dire, ça ne fait rien. J'ai accepté d'abandonner. C'est demain, tu vas commencer à te donner beaucoup de viande. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu dois entrer dans la formation. Formation, c'est quoi? Personne. Ma fille, ma fille,
Alléluia. Pour me dire,
Amen. Tu sais, il y a beaucoup de personnes qui disent, je
je crains Dieu parce qu'il n'a pas encore eu l'opportunité de faire. Appelé à Batou. Parce que tu vis avec quelqu'un ou tu connais quelqu'un, il te propose et dit, tu sais, moi je peux te donner beaucoup d'argent. Et ça, c'est exceptionnellement. Et toi, tu es le temps d'avoir des idées. Je préfère rester comme ça. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. C'est une vie dans laquelle tu vis seulement la parole de Dieu et rien d'autre. Occupe ton cœur. Et tu es capable de comprendre la volonté de Dieu. Tout ce qui vient devant de toi, tu dis, est-ce que c'est la volonté de Dieu ou ce n'est pas la volonté de Dieu? Amen. Amen. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Et c'est une vie que le Seigneur Jésus-Christ lui-même est en train de te quitter. Et ça lui pour moi, il m'a dit, oh, colo, yes, ma sia, y'a mon poison, camba, y'a pas de camis. Donc, parce que lui, il est la lumière. Oui, y'a ça pour lui. Il est le chemin. Il va seulement te conduire dans le chemin qui est vraiment, il n'y a pas des embuscades. Dans le chemin qui est en train de conduire. Oh, et ça, la banzou, mais t'es présent à ma bakouté. Parce qu'il est le chemin. Il est la lumière. Même si un éternel va t'éclairer. Alléluia. Le don, il nous guide par la lumière du Saint-Esprit. Pour travailler pour Dieu. Pour que nous puissions travailler pour Dieu. Donc la lumière du Saint-Esprit, il vient, il nous éclaire. Il nous guide. Et quand on va travailler pour Dieu, on va plaire à Dieu. On va plaire à Dieu. Dieu, il va nous bénir. Parce que, il a touché. Amen. Amen. Si tu n'es de suivre la lumière du Saint-Esprit. Alors une distance est créée dans ta relation avec Dieu. Une relation normale avec Dieu est bâtie sur le fondement de l'acceptation de la parole de Dieu. Qu'il soit bon ou mauvais. Et ça la parce que c'est la parole de Dieu. On ne peut pas douter de nos amis. Amen. Il y a une question. A-t-il une vie spirituelle normale? J'ai une relation avec Dieu. Peut-être qu'avant la prédication, tu pensais que tu lèves du Saint-Esprit. Si tu peux suivre la lumière du Saint-Esprit, et tu peux saisir la volonté de Dieu à travers ses paroles, et tu vas pratique la parole de Dieu. Alors tu es quelqu'un qui sait qui est dans le courant du Saint-Esprit. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un qui suit Dieu. Et tu ne vas pas louper ta destinée. Tu ne vas pas louper ton élévation. Tu ne vas pas louper ta bénédiction. Parce que tu es dans le courant du Saint-Esprit. Vous savez le Saint-Esprit comment il fonctionne. Vous savez comment les saints travaillent avec nous. Il peut empêcher quelque chose d'arriver. Il peut prévenir quelque chose. Quand tu marches dans le courant du Saint-Esprit, tu vas plaire Dieu. Et Dieu va commencer à manifester ses paroles. Et tu vas commencer à
pas de l'élévation. Amen. Ça m'étonne. Il y a beaucoup de chrétiens. Aujourd'hui, peut dire le Saint-Esprit m'a parlé. Et demain, la chose qu'il a dit que le Saint-Esprit a parlé, elle va changer. Ma cambo a lobi le molimo santo a lobi le lobi a beau sali pas changer vous aussi. Ah. Ce n'est plus le Saint Esprit. Voilà la distance à molimo santo te. C'est toi-même qui te conduit. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit, quand il te guide, il te montre les choses cachées. Il empêche les gens de te toucher. Il va te montrer même ce qui t'arrive. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit, il ne prend pas risque de travailler avec quelqu'un qui marche dans la chair. À cause du risque. Alléluia. 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 Donc les conséquences de telles personnes sont graves. C'est grave. Ils marchent selon eux. Ils ne marchent pas selon Dieu. Aujourd'hui va dire le Saint-Esprit m'a dit. Tes mains va dire n'importe quoi. Tes mains va changer. Aujourd'hui va venir ici. Le Saint-Esprit m'a dit c'est mon église. Tes mains va quitter ici. Il va être notre église. Le Saint-Esprit m'a dit c'est mon église. Mais est-ce qu'elle tient pour vous de Saint-Esprit? Pour Saint-Esprit n'a pas mon souffle. Elle a dit si mon Esprit n'a pas mon souffle. Alléluia. Vous savez, il y a des esprits des ancêtres qui nous parlent aussi. Il y a des démons qui parlent. Alléluia. Si dans ta famille avait des mikoudis, ton esprit était un mikoudis là qui te parle. Parce que ce n'est pas l'esprit de Dieu qui vient te parler. Quand l'esprit de Dieu te parle, tu vas pas échouer. Tu vas pas échouer. Tu vas pas échouer. Tu vas pas échouer. On acclame le Seigneur. Verset 17. Proverbe chapitre 16, verset 17. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Le chemin des hommes droits, c'est d'éviter le mal. Celui qui garde son âme veille sur sa voie. C'est lui qui garde son âme veille sur sa voix. Mon tout a zon batte la moli monaye, a zon sinze la rabanze la laye. Donc, c'est lui qui garde son âme. Oh, a zon batte la moli monaye, a sinze la rabanze la tamboulaka. Amen. Amen. Le dernier verset, 1 Jean. On va lire après, je continue. Verset 1. Car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage. Amen. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Manifestée. C'est Christ. Amen. Qui s'est manifesté. Il est venu pour nous donner la vie. Il serait pas besoin de ce monde. Il est venu pour que tu puisses pas pleurer pour les gens. Ah, il est pour y aller la carte. Que tu sois pas dans l'échec. Que tu sois pas dans l'ignorance. Il est venu pour ça. Ah, il est pour changer ton histoire. Il est venu pour enlever l'histoire de ta famille. Ah, il est pas pour enlever l'histoire. Il est venu pour faire ça. Alléluia. Mais beaucoup de gens m'étonnent. Et ben les gens pour qu'on s'en aille là. Tu tiens à Christ. Les choses anciennes sont passées, mais toutes les choses devenues nouvelles. Mais mon frère, quand tu regardes comme ça, tu regardes les choses anciennes. Mais les choses anciennes. Mais les choses anciennes. Tu es dans le Christ ou pas? Amen. Amen. Est-ce que tu marches selon l'Esprit? Est-ce que tu marches selon la volonté de Dieu? Tout ce que tu es en train de faire, c'est la volonté de Dieu. Tout ce que tu es en train de faire, tu vas seulement à la rencontre de la parole de Dieu. Tu m'étonnes. Lève, tu es en train de faire quelque chose qui est spirituel.
Mais comment toi tu l'as fait dans la chair? Et maintenant tu cherches la bénédiction. Si tu ne pas que tu es un c'est impossible. La volonté de Dieu c'est spirituelle. La bénédiction c'est spirituelle. La prière est spirituelle. Le sang que tu es un tu ne peux pas. Tu fais la bénédiction. Viens ça. Seulement. L'argent que tu cherches, bon, je vais bien te donner. La limite à ça, oui. Mais je ne vais pas te donner maintenant. Non, on peut aussi pourquoi? Parce que quand je te donne, regarde ce que tu vas faire avec ça, ça va me plaire. Il faut d'abord que tu enlèves ça et ça. Et après, je vais te donner. Là, tu vas comprendre que tu manges avec le sang. Il ne t'a pas donné, mais tu as donné la paix. Il ne t'a pas donné, mais tu as donné une révélation. Il t'a pas donné, mais il t'a donné quelque chose que tu vas rester avec ça. Quelque chose que tu vas vivre avec ça. L'inquiétude va quitter ton cœur. L'amertume va quitter ton corps. Parce que tu sais que le Seigneur m'a parlé. Okay. Vous savez quand il a parlé à Paul. Paul priait pour son Paul a ensemble la Paul a coquiné. Et le Seigneur a dit. Paul a émissé. Paul. Pourquoi tu me dis Paul a une autre spécifique. Moi je n'ai rien contre lui. Je te connais, tu étais orgueilleux. Naïve, on a dit le lendemain. Tu as beaucoup lu. Oh non. Tu as beaucoup lu. Tu étais dans le trop intelligent. On s'appelle dans mon tamaïe. Mais si je te laisse pas avec ça. Mais si il a le moins lu. Mais tu vas pas me glorifier. Dieu beaucoup mis ça. Laisse que tu sois guidé. Tiko kamba mala moli mo santu. Ce que tu cherches. Ozo luka. Te cherche aussi. Ozo luka yo pour le là. Mais. Kasi. Il faut que tu sois guidé. Essengelo kamba ma. Il faut que tu abandonnes le. Essengelo tika ma posa nzoto. Il faut que tu abandonnes la vie. Essengelo tika po mo ya matelo. Alléluia. Pour entrer dans le couloir du Saint Esprit. Pour la kokota la kosimba ma moli mo santu. Tu dois avoir. Essengelo sala. Et tu dois d'abord te débarrasser de ton état. Na lo lenge na yo, ezalini na yo. Tu dois te débarrasser. Yo mi lo mola na yo. Tu dois avoir. Mais c'est lui au soi-ci. Une relation normale. Il n'est pas compliqué notre Dieu. Nous avons la vie sans en être pas cité. Si c'est le péché qui détourne. Ma soumou n'est pas tout mis à lui. Il est mort pour ça, non? A coup, fallait pour la ma soumou. Est-ce que tu t'es déjà demandé un jour? Moi, je dis, mais les gens, ils cherchent à gêner.
pour avoir de l'argent. Mais pourquoi les jeunes ne peuvent pas abandonner le bébé? Parce que c'est ça qui dérange. C'est ça qui dérange. C'est ça qui fait que Dieu puisse pas te bénir. Mais toi, tu demandes l'argent. Tu demandes la bénédiction. Mais Dieu lui dit. Ça, mon tu dois te débarrasser de ton état. Et Seigneur lui au Kangaliboso senti Kangakumba. Débarrasse-toi. Yomi Lomola na yango. Pourquoi? Ça m'étonne. À l'époque, il y avait des gens qui venaient à la prison. Il vient. Il dit je suis sorcière. Je n'ai pas abandonné. Mon frère, ça m'étonne. Ça m'inquiète aujourd'hui. Les gens viennent avec leur sorcellerie. Ils me tournent avec ça. Comment expliquer? Les gens viennent avec l'impudicité. Qui nous boule dans l'église. Et puis il retourne avec ça. Il vient aussi tous les jours. Ah, il y a un peu de colonies. Mais il y a un peu de colonies. Quand on dit repentance, il pleure ma part. Quand on va l'obéir, bon voilà. Il y a un peu de colonies. Nous sommes là, taillés le coin de la part. Mais nous sommes là, mais la cause est de côté. Ah, mais c'est le même. Ah, mais l'ami. Hein? Amen. Amen. Si vous mécanisez, vous n'avez pas de métier dans l'air, on y est. Donc ça, mais ça, la dangue comme ma vie. Amen. Amen. C'est ça qui dérange. Il y a moins de gens qui ont mis ça. Amen. Amen. Ta position, tu ne veux pas abandonner. Tu veux rester comme tu es venu dans le Seigneur. Oh, tu vas débarrasser de toutes ces choses. Quand vous n'avez pas un zame de Seigneur, tu vas enlever toutes ces choses-là. Amen. Parce que c'est ça qui empêche que la mort de Dieu puisse se manifester. C'est ça qui empêche la main de Dieu d'agir. C'est ça qui empêche que la gloire de Dieu puisse se manifester. Alléluia. La Bible dit vous serez mes témoins. Est-ce que toi tu es un témoin de Dieu? Ou tu es un témoin du diable? Amen. Amen. Est-ce que tu es un témoin? Quand on te voit, on voit la gloire de Dieu. Quand on te voit, on voit Dieu. Ou on voit un impudique. Eh, ma chrétien, mes colos. Ma chrétien, mes colos, mes escrocs. Il est pour Sambela. Il est pour Sambela. Il y a un exemple de Sambela. Exact. Bon, il y a que ça sonne. Sonne. Amen. Amen. Les uns soient, mais ton retard à l'école. Donc, j'ai dit qu'il y a des gens qui utilisent leur conscience pour remercier Dieu pour son amour. Mais pour connaître la volonté de Dieu, il ne faut pas que c'est nécessaire. Cela ne suffit pas. Seulement de remercier Dieu. La foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend vient de la bouche de Dieu. La foi vient de ce qu'on attend. Mais on te zo yoka. Et où t'as ta? Yoka. Namuno kwanzambe. Amen. Namuno kwanzambe. Parce que dans toutes les circonstances, tout ce que tu es en train de traverser, il y a une solution. Mais pour que tu puisses avoir la solution, tu dois connaître la volonté de Dieu. Et Seigneur, dis, tu veux quoi? Qu'est-ce que je veux faire pour cette situation? Pour ce qui m'entoure, c'est ce qui me tourmente. Qu'est-ce que Dieu, je veux faire? Tu vas connaître la volonté de Dieu. Et
Dieu va parler à travers sa bouche. S'il va utiliser la parole, s'il va utiliser la vision, s'il va utiliser la révélation, s'il va utiliser quelqu'un, ma sœur, mon frère, ce que tu as besoin, fais ça. Et ta situation va changer. Alléluia. Amen.
proverbe 5:7. Ce qui nous a sépé dans le zéla na yo. A qu'on dispose même à mouna na yo. Amen. Amen. Ah, mouté malangé sépé, t'en a fait son ménage, on fait son cas. Après, si yo. Amen. Donc, nous avons approuvé la zéla na yo. Nous avons sépé na yo. Je me repasse
Ça brise, 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 ça
Mais avant cela,
Parce que le programme de l'église c'est le mardi et le jeudi. Voilà. Lundi, comment est lundi? Lundi, mardi. Il a fait de son force. Parce qu'en Jésus, je suis sauvé. J'ai la victoire sur tous ces mondes. Un jour, avec nous cette semaine nouvelle qui va commencer.
avancer. Merci parce que notre lundi sera béni. Merci parce que notre mardi sera béni. Merci parce que notre mercredi sera béni. Merci parce que notre jeudi sera béni. Merci parce que notre vendredi sera béni. Merci parce que notre samedi sera béni. Merci parce que notre dimanche sera béni. À toi seul soit la gloire, que le ciel nous reste ouvert, l'abondance, la bénédiction, le succès, la faveur, la prospérité vous accompagne tous au nom de Jésus-Christ. Amen. Allons dans la paix du Seigneur. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis.